Bonjour. Je me fais poser souvent la question, avec l'avènement du down imaging, du side imaging, je me fais souvent poser la question avec quel affichage que je pêche. Je vous dirais que le down imaging puis le side imaging, c'est vraiment des affichages pour la prospection. Trouver nos structures. Puis surtout le type de substrat sur lequel on veut pêcher. Personnellement, je vous dirais que je pêche habituellement toujours sur l'affichage Switchfire. Switchfire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'affichage traditionnel en couleur. C'est avec ce type d'affichage-là que je vais avoir le plus de facilité à voir mes poissons. Quand je suis vraiment en situation de pêche, on travaille notre structure, c'est de cette façon-là que je vais voir le plus facilement s'il y a des poissons de présent sur la structure. Dans le fond, c'est ça qui est important. Hein? On commence notre séance de pêche, puis on veut vraiment voir si les poissons sont présents sur notre structure. Donc, c'est l'affichage Switchfire ou l'affichage traditionnel en couleur qui va nous permettre le plus facilement de voir des beaux échos, des beaux arcs de poissons sur notre appareil sonore. Un petit truc super simple, mais lorsqu'on est vraiment en situation de pêche, c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe en dessous de nos pieds. Le Switchfire, affichage traditionnel couleur, l'affichage l'idéal pour détecter s'il y a des poissons sur notre structure. Merci, bonne pêche!